Le Pen a prêté allégeance à la banque Rothschild en mars 2022. Quant à Jean-Luc Mélenchon, c'est un millionnaire franc-maçon qui prétend aimer les Juifs, mais tout le monde s'en doute. Moi, ce n'est pas mon problème, hein, qui se démerde entre eux. Tu votes pas alors? Vous allez dire, il est lâche. Non, aux prochaines élections, je vote comme tout le monde. Votez mou, votez dur, mais votez dans le trou. Donc le conseil, il ne faut pas voter alors? J'ai jamais dit qu'il ne fallait pas voter. Chacun vote selon sa conscience. Vous n'êtes pas là, c'est un facho. Ça, c'est quand on n'a aucun argument, on traite les autres de fachos. Et ce sont toujours les mêmes qui traitent les gens de fachos. Les gens qui traitent les gens de fachos, on sait qui ils sont. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ils n'ont aucun argument à donner. Ouais. C'est pour les traditions, c'est tout, c'est traditionnel. Si moi je suis facho, toi tu es Netanyahou. Toi le coucou. Hey, mais ton prénom c'est Michel ou Jean-Michel? Allez, viens, j'ai pitié de toi. T'as pitié de moi? J'ai pitié de toi. 5 minutes. Hey, 5 hey. Minutes? Garde-le. Bon, bah tant pis. Hein. C'est Jean-Michel ou Michel? Non, non, merci Jean-Michel. C'est Jean-Michel, voilà. Non, pas plus, hein, pas plus. Allez, Jean-Michel, merci Jean-Michel. Voilà, allez, on va filmer la...